Alors, donc ma première ligne qui va pêcher le plus à gauche, donc le plus près au maïs, va pêcher de manière très très simple. Donc je vais pas me casser la tête à utiliser des bouillettes ou quoi. Là je vais utiliser simplement 2 grains de maïs que j'ai fait cuire selon une certaine recette, auquel j'ajoute du sucre et d'autres choses pour le rendre attirant pour les carpes. Donc c'est un appât simple et qui marche souvent. Du coup là, ce que je tiens particulièrement à faire avec des petites zèches légères comme ça, c'est éloigner au maximum donc une manière d'une longueur convenable les appâts, donc comme ceci. Pour vous parler brièvement de mon montage, donc c'est un montage fait avec de la tresse gainée, un hameçon taille 6, donc Curve Shank de chez LCA Tackle, un sleeve, donc un anti-tangle sleeve clear de chez LCA, auquel vient s'ajouter un clip long classique. La dernière particularité de mon montage, c'est la partie gainée que je vais venir mettre au-dessus de mon clip long. Donc c'est une tresse gainée LCA en test. Donc voilà, en fait je viens la clipper comme ceci dans la tétine, pour que ça vienne se plaquer contre le fond très bien, et que tout ça ait un aspect complètement naturel au fond. Et voilà. Donc c'est un produit très lourd que j'ai utilisé sur une gravière de montagne et qui m'a particulièrement bien réussi, car je pêchais une zone encombrée et ça protégeait les premiers centimètres de mon corps de ligne. Voilà, donc on va mettre un plomb et on va expédier ça. C'est parti. Alors là j'ai tendu ma ligne donc il y a quelques instants, et une petite technique que j'aime bien utiliser, donc c'est que je vais ramasser des pierres, voilà comme ça, et pour que mon fil soit plaqué sur le fond jusqu'à mon montage, puisqu'on est sur un haut fond, je vais mettre une pierre à peu près sous le fion de ma canne, et pour que ça plaque bien le fil. Donc ça fait office de backlead et c'est une technique peu onéreuse. Donc tout simplement, je tire, je prends un petit peu de marge. Voilà. Donc pas hésiter à enfoncer un peu le caillou quand on utilise des pierres légères comme ça. Du coup, ben là, mon fil il est invisible jusque là-bas, et les carpes, en se baladant sur mon spot, vont pas se taper dans le fil. Voilà. Alors voilà, donc là je vais monter ma deuxième ligne, donc sur le modèle de la première, sauf que celle-ci va être armée d'un montage léché d'une bouillette, donc celle qui va pêcher un peu plus loin. Donc tout d'abord, ce que je vais mettre, parce que là je remonte ma ligne complètement, hein, je suis directement sur mon corps de ligne, je vais passer par le clip long, etc. Je prends tungstène, donc gaine plombée. Donc j'en coupe une certaine longueur, allez, dans les 30 cm, comme ça.
Après, je la passe dans dans mon corps de ligne, donc en 40 centièmes. Donc cette gaine plombée va avoir pour but d'avoir un effet anti-emmêlage et aussi de plaquer mon montage sur le fond. Donc c'est bon, c'est ressorti en bas. Un plus petit morceau, on tire. Ensuite, je viens mettre un clip long LCA de la gamme Clear, donc comme ça. Je passe la tétine premier. Et ensuite la partie rigide. Voilà. Donc je viens ajouter à ça un émerillon Quick Change LCA. Ensuite je fais un nœud de cuillère. Hop. Je tire. Je serre. Hop. Comme je veux que mon plomb soit fixe, je vais enfoncer mon bas de ligne dans mon. Je vais enfoncer mon clip plomb dans l'émerillon. Donc là, je vais venir y mettre un montage que j'ai réalisé avec les produits LCA Tackle. Donc c'est un hameçon White Gape en taille 6, un ring rig, donc c'est un anneau qui va servir pour réaliser le blowback rig. Ça veut bien faire le focus. Voilà. Et je vais venir écher là-dessus une bouillette de 15 mm. Et pour éviter l'emmêlement, je vais choisir un anti-tangle sleeve LCA. Hop. Je viens raccorder le tout à l'émerillon grâce à l'émerillon Quick Change. Et voilà. Donc voilà ce que j'utilise pour pêcher. Donc c'est un bas de ligne assez long ce coup-ci. On va envoyer ça un petit peu plus loin. Donc on va armer ça avec une bouillette en 15 mm. Et si jamais ça déroule, je vous ferai le détail de ce bas de ligne. Assez simple de réalisation, mais qui a déjà fonctionné ici. Allez, je vais me dépêcher d'aller lancer ça. Le jour commence à tomber. Tiens, je vois des bulles sur le spot là-bas. Oh là là. Le jour commence à tomber et toujours pas de poisson. On a eu quelques touches plutôt prometteuses, mais toujours pas de poisson. Mon grand-père vient quand même de toucher une belle truite arc-en-ciel qui doit faire entre 35 et 40. Sinon toujours pas de carpe, mais bon, on est confiant, on va voir comment se déroule le début de soirée, la nuit. Voilà. Bon, je vous tiens au courant. De cette petite session en rivière, joli miroir. Bon, ça me change des gros poissons de lac. Je la croyais toute petite, mais en fait elle doit faire dans les 10 kilos. C'est déjà un petit poisson sympa et on va le mettre en sac pour le présenter demain. Et le combi rig LCA aura fait le job carrément, quoi, parce que elle est allée dans les obstacles, ça a frotté et tout. Le poisson n'est pas abîmé grâce à ça, tungstène tubule. Et elle est parfaitement piquée sur la lèvre inférieure. Voilà.
Donc on va la mettre au sac. Alors voilà, il va être 1 heure. J'ai fait le premier poisson, du coup super content, je suis aux anges. Je commence à me poser des questions. Tout simplement parce que d'habitude ça déroule en journée ici et là rien en journée. Bon, au final je fais une jolie miroir que j'avais jamais vue sur le bief, pourtant je le connais très bien. Ça me met en confiance pour la suite. Ce que je note c'est que les poissons prennent les deux départs que j'ai fait, donc premier barbeau, deuxième carpe. C'est sur la bouillette. J'attends de voir pour le prochain départ et si jamais c'est le prochain départ encore bouillette, je passe full bouillette sur les deux lignes. Parce qu'il y en a une et j'ai deux de maïs et une autre de une bouillette, donc sur un combi rig que j'aurai l'occasion de vous présenter demain, qui a complètement enfin avec un hameçon 80 degrés de chez LCA qui a transpercé la lèvre inférieure de la carpe et qui a fait une piqûre nette et qui m'a permis de la sortir des obstacles. Et je sentais que, enfin voilà, fallait que j'ai un hameçon costaud pour la sortir de là et il a fait le job. Voilà, donc je suis super content, je me fais une petite bouillotte parce que mine de rien il fait froid, j'ai l'ouverture comme ça là. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Alors voici le poisson que je viens d'attraper, il est 4h du mat à la bouillette. Bon, je peux toujours pas filmer les combats parce que je suis tout seul. Donc voilà, le poisson, l'autre poisson est toujours tanké. Du coup, faut que je vois si c'est tanké. Mais pour l'instant, je vais la mettre au sac et je vais relancer la canne de droite. Allez, c'est parti. Voilà le premier poisson pris cette nuit. Donc une petite miroir qui a pris sur un doublé de bille de 15 au poisson. Je crois qu'elle a été prise sur un combi rig avec un hameçon 80 degrés taille 4 de chez LCA. Voilà, elle m'a fait un beau combat, je pensais qu'elle était plus grosse que ça. Mais bon, ça fait plaisir, un beau petit poisson pour ouvrir le compteur en rivière cette année. On va prendre quelques photos et puis après on va la relâcher. Celle-ci prise sur un montage aux cheveux avec un curve shank en taille 6. Donc c'est une belle commune qui est bien puissante et ça a tenu le coup parfaitement. J'ai dû la traîner un petit peu, la treuiller parce que c'était tanké. Le problème c'est qu'on est en rivière, du coup ben voilà, hein. Et ça vous se cacher. Mais bon, elle est là et elle n'a pas été abîmée, pas perdu d'écailles, donc c'est super. Voilà, bon ben on va prendre quelques photos comme pour l'autre et on va la relâcher. Alors voilà, ben on a tout replié et donc comme vous avez pu le voir, on a fait deux beaux poissons cette nuit. Et ben voilà, là j'ai retiré la tente. Mon grand-père a fait un premier voyage. Et suite à un contretemps, je vais devoir partir plus tôt que prévu. Mais je vous présenterai les montages au cours d'une vidéo dédiée spécialement au montage de la série Riggs. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description. Si jamais vous voulez voir les vidéos des montages qui m'ont permis d'attraper ces deux très jolis poissons de rivière. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à très bientôt. À très très bientôt parce que on
ce moment, ben voilà, ça va à la pêche. Voilà. Allez, à bientôt, c'est Carpe Chanel.